ça arrive. C'est-à-dire, vous voyez, nous, le patriarche, lorsque nous donnons des bénédictions, nous attendons que la lumière du Christ sorte sur nous. Nous attendons une révélation de Dieu, l'inspiration de Dieu, qui doit vous orienter dans ce que vous devez dire à cette personne sur laquelle vous avez reposé la main. Donnez la main. Je me rappelle une histoire. Je vais vous dire cette histoire. Il y a un frère qu'un apôtre avait appelé comme patriarche. Alors, il devrait commencer son travail. Mais il a dit, la tâche qu'il m'avait donnée est très lourde. Je ne sais pas comment je peux obtenir cette inspiration. Il était dépassé. Il a fait 3-4 mois sans donner la bénédiction. Il voit son président du pieu à qui il pose la question. Président, je me sens incapable de donner une bénédiction. Donc, allez faire ceci, allez faire tout. Mais qu'est-ce que cette personne a fait? Il est allé dans sa paroisse, trouver les anciens ou le grand prêtre qui avait une grande spiritualité pour qu'il puisse être orienté. Il a cherché une formule qui doit être unique comme l'introduction de sa bénédiction patriarcale. Et il a retenu sa Pâque. Il a dit, maintenant ça va. Je sais maintenant comment commencer ma bénédiction patriarcale. Il a reçu la première augmentation pour la bénédiction patriarcale. Et il devrait donner la bénédiction à un jeune de sa paroisse. Une fois imposé les mains sur ta tête, cette personne est restée muette, sans sortir aucun mot. Tout ce qu'il avait retenu est parti. Il ne peut rien dire. Et après, il a trouvé le président. Il lui a dit, allez jeûner et prier. Cette personne qui est appelée comme patriarche est allée jeûner et prier. Et le Seigneur l'a révélé. Il a dit, ah, je trouve que cet office est très compliqué. J'ai pensé que c'est facile à faire, mais ce n'est pas facile. Ma langue a été liée. Pourquoi? Parce que je voulais faire ce qui ne vient pas de Dieu. Et lorsqu'il a jeûné, il a prié, il a commencé maintenant, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il a commencé à avoir l'inspiration. Il a fait maintenant les patriarches, il travaille pour un problème. C'est pour vous dire que cela, c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas notre œuvre. Vous devez attendre que le Seigneur vous dise ce que vous devez faire. Vous le faites. Ce n'est pas avec notre sagesse que vous pouvez donner la direction. Parce que tout doit être basé sur l'expérience de Dieu.